coucou, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose qui m'est venu parce que je me suis assise tranquillement dans un coin et j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je pourrais dire à un jour comme aujourd'hui, un jour où je vais fermer les portes de mon cours La magie d'être une femme? Qu'est-ce que je peux te dire à toi pour que tu puisses, que tu doives entendre pour décider si oui ou non tu veux faire ce chemin ensemble avec moi et dans cette sororité? Et ce qui m'est venu, c'est que il faut savoir être quand on veut faire. Parce que on nous pousse tellement à faire, à faire, à faire. Et c'est ce que je dis aussi, une des magies consiste à faire. Mais il y a quelque chose, il y a un secret là derrière, dans le fait de faire quelque chose. Et ce secret, c'est de venir de l'intérieur, comme si quelque chose à l'intérieur, ta déesse intérieure, ton être de lumière, quelque chose à l'intérieur est là et il vit à l'instant présent à travers ton corps. Et c'est comme si, et j'ai toujours senti ça, il avait envie de voir le jour. Quelque chose a envie de voir le jour à travers toi, a envie d'expérimenter cette vie. Et le seul endroit où cette expérience peut avoir lieu, c'est dans ton corps et dans chez toi. Cette union entre le sacré, entre l'infini et le fini, ça se fait ici et maintenant. Et tu es là maintenant, et je suis là maintenant, et c'est maintenant que ça se passe. Et pour que ça devienne une réalité, pour que ça devienne quelque chose, il ne suffit pas de s'asseoir dans un coin et méditer et dire, je sens toute cette lumière, je sens cette beauté, je sens cet amour, et ça m'enivre. Tout de suite après, on a cette envie et de dire, ok. Je vais faire quelque chose. Je vais me mettre au service de ce que je sens parce que c'est magnifique. Je vais me mettre au service et je vais faire en sorte que tu puisses voir que cette chose ou cette énergie puisse à travers moi vivre ce qu'elle a envie de vivre. Et donc, dans ce cours, La magie d'être une femme, c'est un cours que j'ai créé d'une manière, je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte de ce qui se passait. Et au fur et à mesure que je l'enseigne et qu'il y a des femmes qui le font ce cours, au fur et à mesure, je vois la magie et même, je dirais, les miracles qui se font, cette inversion de la vapeur, c'est quelque chose qui se réveille à l'intérieur, tout simplement parce qu'on lui donne un espace, on lui donne le temps, on lui donne de l'énergie, on s'engage ensemble à le faire. Moi, c'est un grand engagement de l'enseigner. Toi, c'est un grand engagement de te dire, je vais faire de l'espace pendant un mois dans ma vie à ça, à qui je ne laisse jamais de place dans ma vie. Ce que je fais toujours en dernier lieu, la place pour moi, mais la place aussi pour cette chose, cette sacrée, ce quelque chose, cette énergie sacrée que j'ai à l'intérieur, et cette énergie sacrée qui attend d'une patience, d'une incroyable douceur à l'intérieur pour que moi, je dise, toi et moi, on va faire équipe. Et on va vivre, et il est temps de vivre, et il est temps de rentrer dans cette nouvelle version de toi où tu vas être magique. Et cette magie est au fond de chacune de nous et au fond de chaque femme qui a cette soif de faire quelque chose. Et si tu écoutes cette vidéo, si tu es sur ma page, je sais que tu as cette soif. Je t'invite à suivre ce cours, je t'invite à t'inscrire. C'est aujourd'hui que je ferme les portes. Et tu as jusqu'à ce soir pour te décider. Si tu as besoin de parler avec moi, si ça t'interpelle et tu te dis oui, je veux, à ce moment-là, parle avec moi et on va voir ensemble ce qui se passe chez toi. On va voir comment il est cet appel, quelle forme il prend, quelle est l'action que tu peux prendre. Et je suis là pour aujourd'hui, pour servir cette énergie en toi qui veut voir le jour. Et l'autre mot qui est venu, c'est faire la paix avec ça, faire la paix avec cet appel de l'intérieur. Parce que quand on ne le comprend pas, quand on ne sait pas ce que c'est, on va chercher partout à l'extérieur. On va chercher chez des êtres humains qu'on aime et on veut être aimé de retour. On va chercher un travail et on veut avoir une promotion. On va chercher peut-être à se rendre de plus en plus belle ou mettre des crèmes à longueur de journée pour ne pas vieillir. Ou je ne sais pas, on va chercher, 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 chercher. Mais cette chose est à l'intérieur, ce quelque chose est à l'intérieur, et c'est comme ça
que ça se passe. C'est comme ça que tu inverses la vapeur. Tu vas vivre tout ce que tu as besoin de vivre. Tu vas vivre tout ce que tu as envie de vivre. Mais pas pour remplir un vide. C'est parce que tu viens d'une plénitude, tu viens d'un trop plein et tu as besoin, tu as besoin d'aller là-dehors. Et c'est ça que tu veux vivre. C'est comme ça que tu veux vivre. Et dans mon cours, La magie d'être une femme, c'est ça. C'est à ça que je te connecte. On a 4 étapes pour le faire. 4 semaines magiques pour le faire. Une sororité et nous faisons ça ensemble. Si tu te sens seule sur ce chemin, tu as l'occasion d'arrêter de te sentir seule, d'être dans un espace protégé et bienveillant. Et je t'invite à faire ce chemin ensemble avec moi et avec les sœurs de lumière. On s'appelle les sœurs de lumière parce qu'en réalité, c'est ça qu'on est. Je t'invite à vraiment le faire. Je te mets le lien ici. Regarde la page que j'ai créée avec beaucoup d'amour, avec tout mon cœur. Et regarde les témoignages et écoute l'appel et inscris-toi. Je me réjouis beaucoup de te voir dans le groupe. Je serai très, très heureuse de t'avoir dans ce groupe de femmes magiques. On prépare la fin de l'année, on prépare la nouvelle année. Et quelle meilleure manière de la préparer que de devenir soi-même cet être totalement magique. Connecté à tous ces esprits, connecté à l'univers, connecté à Dieu. N'importe quel mot que tu vas donner, mais c'est magique. Je ne sais pas quel autre mot donner sur ce qui se passe quand on se met là-dedans. Quelle autre manière de préparer cette période de l'année et de se préparer pour Noël, la fin de l'année et la nouvelle année. J'en connais pas une. Et je suis moi-même très heureuse d'offrir ce cours parce que moi, je reçois quand je donne. Et toi, quand tu donnes, tu reçois aussi. Donner, partager dans le groupe. Tu reçois en double, minimum. Je te souhaite une très très belle journée. J'espère de te voir dans ce cours et téléphone-moi si tu as une question.